bienvenue à Salon de Provence. Je suis avec Monsieur Sibili, l'élu, l'adjoint délégué au sport. On a l'honneur ce soir à Charles Trenet d'avoir la soirée de remise de trophées aux sportifs salonnais. Bonjour Monsieur Sibili, pouvez-vous m'en dire deux mots? Ben, c'est une soirée qu'on a mise sur pied depuis plusieurs années. Chaque année, on renouvelle cette expérience avec beaucoup de plaisir parce que c'est non seulement le meilleur moyen de récompenser les sportifs qui se sont mis en vedette tout au long de l'année, mais également de mettre en exergue le travail des bénévoles qui eux travaillent dans l'ombre. L'investissement des clubs est devenu un investissement au niveau jeune. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se manifestent. On en est quand même à plus de 13 000 licenciés sur Salon, sur une population de 42 000 habitants. Je pense que c'est pas mal. Quand on investit sur les jeunes, on est sérieux, on est certain qu'il y aura une suite sérieuse. Je suis avec le sergent-chef Jérôme Vaglio de la base aérienne de Salon. J'ai eu comme fonction d'être le moniteur de sport de plusieurs brigades d'élèves officiers. Depuis le 1er novembre 2010, je suis préparateur physique de la patrouille de France et préparateur mental aussi. Je suis avec le président de l'OMS, Thierry Chélan, et Guy Schweinzetter, aussi trésorier de l'OMS. Écoutez, je pense que ça a été une bonne réussite. Très très content, au moins 300 personnes, ce qui est quand même beaucoup parmi les sportifs salonnais. Très très bien rythmé par Kamel, merci Kamel, avec des récompensés jolies, des gens de nature différente, et aussi bien des bénévoles que des sportifs de haut niveau. Donc c'était vraiment très éclectique et je suis très très content, ouais, de cette soirée.